La vendre. La vendre. Il faudra bien. Vos enfants? Je n'en ai pas. Je croyais. À votre âge, vous pensez que toutes les femmes de mon âge en ont forcément? Excusez-moi. Les hortensias, ils me manqueront. Ne faites pas ça. Pas seulement des enfants. Débrouillez-vous pour faire autre chose. Oui? Non? Des oreilles, un cerveau, une bouche? Les gens comme vous s'intéressent surtout à ce qu'ils pensent. Les gens comme moi? Je suis une Jeanne, mademoiselle. Je ne connais pas les gens dont vous parlez. Germaine. Elle est impayable. Pourtant, on vous paye, j'imagine, pour ce travail. Laisse-moi m'en occuper. Je ne pourrais pas voir quelqu'un d'autre. Il y a bien quelqu'un d'autre, non? Un supérieur, quelqu'un de confiance. Au-dessus, le directeur, vous voulez l'expertise de mon directeur? Un verre d'eau. Tu veux faire diversion? Oui. Un verre d'eau ne suffira pas. Tu pourrais... aller voir au bar si j'y suis. Il me semble bien t'y voir. Tu te trompes? Non, je ne crois pas. Tu sirotes une suze. Il y a un glaçon dedans. Tu presses le verre contre ton front. Ne me regardez pas comme ça! Elle ne te regardait pas. Détrompez-vous. Je m'intéresse à ce que vous pensez. Je ne suis pas un papillon. Elle fait des raccourcis. Tu aimes ça? J'aime ça. Un chiot qui se fait les dents. Voilà ce que vous êtes. Je vous demande pardon. Le glaçon au fond, c'est dommage. Tu veux faire le tampon? Ce n'est pas mon rôle. C'est un complot. Tu irais? J'y vais. Elle y va. C'est vrai ce qu'on dit? Elle fait de belles photos? Oh, ce n'est pas pour ça qu'on les aime. Elles existent. Comme si elles respiraient? Qu'est-ce que c'est? Le contrat. Je vous laisse relire. Ça nous engage à quoi? L'agence a l'exclusivité de la vente de la maison durant 3 mois. L'exclusivité? En maison comme en amour, cela a-t-il beaucoup de sens? En cas de vente, une commission... Bon, vous allez me dire 3 mois, c'est bref. Une période assez brève. Le temps de vivre un amour fou. Vous êtes son mari? Pourquoi? On dit que vous ne vivez pas ensemble. Ah, c'est ce qu'on dit. Ben, c'est vrai ce qu'on dit. Oh, de mon côté, je serais bien resté plus longtemps avec elle. Qui sait? Une bonne partie de ma vie avec elle. Nous ne sommes pas d'ici. Ça doit faire partie des choses qu'on dit aussi. Que nous sommes des étrangers. Là, à votre âge, elle voulait découvrir Paris. Alors je lui ai donné de l'argent pour son voyage. Elle est partie avec la femme d'un ami à moi. Et elles sont devenues très proches. Elles dormaient le jour et sortaient la nuit. Et elles n'avaient jamais joui. Pas ma femme, l'autre. Alors ma femme lui a appris. C'est important. Il aurait été dommage qu'elle ne connaisse pas ça, n'est-ce pas? Et pourtant, cette femme avait un mari et un amant. Quelquefois, nous sommes vraiment bons à rien, les hommes. Plein de bonne volonté, mais maladroits. Et nous devions les rejoindre, le mari de son ami et moi. Mais ma femme, enfin qui n'était pas encore ma femme à l'époque, m'a fait comprendre qu'elle préférait qu'on retarde notre arrivée. Je leur ai donc envoyé l'argent qui leur manquait. Elles se faisaient des dinettes, du fromage et du vin dans leur chambre, et économisaient pour les sorties, la nuit parisienne. Et c'est là, un soir, que...
ma femme a rencontré quelqu'un. Dès qu'elle me l'a présenté, je suis arrivé une semaine plus tard, comme elle me l'avait demandé, j'ai su ce qui se passait entre eux. Elle n'a pas dit le contraire. Ma femme ne dit pas le contraire de la vérité. Et c'est dommage, parfois. J'étais arrivé une semaine plus tard pour lui faire plaisir. Et elle avait rencontré cet homme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai épousé. J'ai pris cette maison en banlieue avec un studio pour ses photos. Et je suis rentré chez moi. Et que faire d'autre? C'était la seule chose à faire. Elle n'était pas française, célibataire. Et il lui fallait sa liberté pour la vie qu'elle avait amenée. Elle ne pouvait l'obtenir que dans le mariage. Alors nous nous sommes mariés et je suis reparti chez moi. Voilà. Mais on est restés bons amis. Ah, démariés, très bons amis. Et l'homme qu'elle aimait, je l'ai engagé sur un film. Et on a bien travaillé ensemble. C'est quelqu'un de talentueux, on s'est bien entendu. Il allait voir d'autres femmes, par moments. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il était très beau, très séduisant. Les femmes le trouvaient irrésistible. Alors, ma femme a beaucoup souffert. Et puis ça lui est passé. Elle s'est détachée de lui pour moins souffrir. Et ça a fonctionné, je crois. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Et j'ai voulu divorcer, elle aussi. Et les événements, la guerre, ça ne s'est pas fait. Vous vous êtes fait complètement avoir. Ah, vous croyez? Ça me dégoûte. Non, je ne crois pas. Je sais encore ce que je pense. Vous avez de la chance. Moi, je ne sais pas. C'est des manières. Non, je vous assure. Et vous faites des films sur quoi? Des révolutions. Il y en a tant que ça? Beaucoup plus qu'on pense. Des personnes qui se soulèvent pour changer leurs conditions de vie. Je ne pensais pas que vous faisiez ce genre de film. Vous imaginiez quoi? Les gens tout nus ensemble, dans la même poêle. Ah, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Mais ça ne m'empêche pas d'être stricte. Et elle n'a pas fini sa Suze? Oh, elle ne reviendra pas. Vous êtes son larbin. Je ne le prends pas comme ça. Tous les goûts sont dans la nature. Ah, et vous, quels sont vos goûts? Classique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comme le sel et le poivre dans leur bateau sur la table. La maison, je vais l'acheter. Mais elle est déjà à vous. Elle est à son nom. C'est vous qui l'avez payée? Je lui ai offerte, je vous l'ai dit, il y a des années. Ça gagne les films sur la Révolution. Ça coûte. Et d'où il vient, cet argent? De mes parents. De mon père. Son entreprise est devenue la mienne. Ça ne me regarde pas. J'allais vous le dire. Elle ne doit pas savoir. Non. Vous avez l'air de l'agneau, mais c'est vous qui décidez. Vous allez lui offrir de nouveau. Les maisons, c'est pas vraiment son truc. Mais il faut bien qu'elle vive quelque part. Elle trouve toujours. Vous allez vous y installer? J'ai déjà une maison. C'est pour la location. L'agence peut également... Non, je ne voudrais pas que n'importe qui l'habite. Une maison vide? C'est comme un jardin sans herbe. C'est ma maison, d'accord? Chacun fait comme il pense, je dirige pas le pays. Mais on va négocier son prix, quand même. Pour être crédible. Parce qu'elle est chère. Elle refuse. Elle me l'a bien spécifié. Elle baissera. Ça vous fait jouir. Pardon. Je ne crois pas vous permettre. Non, on peut parler de tout et puis en fait, non. J'aimerais bien vous filmer. On ne me filme pas.
Et je suis sûr que ça lui dirait de faire votre portrait. Pas de photo non plus. Ah, les gens aiment ça, habituellement. Vous, qu'est-ce qui vous fait jouir? Je ne sais pas encore. Vous n'êtes peut-être pas si classique que ça. Il n'y a pas plus classique que moi. Vous vous privez peut-être de quelque chose. C'est pas la première fois ni la dernière. Faites-lui signer le contrat. Je m'occupe de la vente. J'ai ouvert la maison. Elle est ouverte. Elle est à toi. Merci. Tu fais comme chez toi. Comme chez moi. Elle est un peu vide. C'est bien. Il n'y aura pas de compensation en nature. Tu dis ça comme ça. Mais c'était clair. C'est encore plus clair. Tu fais ça souvent ? Tu héberges des artistes, des femmes, c'est ça? C'est vrai, ce sont souvent des femmes. Toujours. Ah, tu es renseignée? Je n'en savais rien. Mais c'est donc ça. Elles travaillent. Elles créent. Elles font ce qu'elles ont à faire. Elles passent le temps qu'il leur faut et puis elles s'en vont. Il n'y a pas de contrepartie. À proprement parler, non, je ne crois pas. Enfin, si, j'imagine. Enfin, il finit toujours par y en avoir. C'est bien ce que je pense. C'est aussi mon avis. Mais parfois, des années plus tard. Tu les appelles? Et tu exiges, quoi? Non, non, ça se passe pas comme ça. Oh, je n'ai aucun pouvoir sur elles. C'est pas de les avoir logées quelques semaines, quelques mois. Un lien, simplement. Un fil à la patte, une corde au cou. Non, je ne crois pas. Moi, je n'espère pas. Un ruban oublié au fond d'un sac, plutôt. Je ne comprends pas. C'est un souvenir qu'on retrouve et qui évoque de la sympathie, de la reconnaissance, qui sait, de l'affection. Je te laisserai quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Pas d'argent. C'est la seule règle. Il y en a d'autres. Les élémentaires. Laver ce qu'on a sali. Une attention au bruit après une certaine heure. Les visiteurs. Je préfère que tu ailles faire ça ailleurs. Pardon ? Tout ce qu'on fait avec les gens. Je ne veux pas de problème. Il y a le voisinage. Je fais ça simplement. Je n'ai pas envie que ça prenne des proportions. Je n'accueille pas les couples. Ce n'est pas l'idée. L'idée. Il n'y en a pas. Je ne te cache rien. Ça s'est fait petit à petit. L'air de rien.
de cette maison qu'il fallait ne pas laisser seule, enfin, vide. Et j'ai rendu service une fois. Et peu à peu, une logique se crée. Des règles se sont inventées, sans moi, mais auxquelles je tiens. C'est parfait. Je préfère quand c'est clair. J'ai besoin que ce soit clair. Mais c'est tout à fait clair. Je ne te demanderai rien que tu ne veuilles pas me donner. Mon Dieu, c'est pas clair du tout. Mais si, c'est tout à fait clair. On ne se verra plus. Une femme passera une fois par jour. Elle connaît la maison, elle fait attention au jardin, elle ne touche à rien. Elle sait qu'il faut respecter le travail que tu feras. Je te souhaite un bon séjour, productif. Tu as vu ce que je fais? Non. Ça ne te plaira peut-être pas. Ça arrive. Je ne m'excuse pas. Tu as raison. Il y a une autre règle. Oui. On ne se tue pas ici. Si on meurt, c'est sans le faire exprès. On laisse le futur intact pour les autres, après, qui viendront ici. Je ne crois pas que la maison a été souvent vide. Il y a toujours une femme, quelque part, qui a besoin d'espace. Et de temps. Je me lève tôt. Je regarde mon visage dans le miroir fêlé de la salle de bain et je dis bonne à rien, salope, tu vas te réveiller? Tu vas te réveiller un peu? Espèce de courge? J'escalade la baignoire, je fais couler l'eau froide de la douche, d'abord sur mes pieds et puis de plus en plus haut, jusqu'à voir ma peau rougir. J'attrape le bout de savon qu'une autre a laissé. À moins qu'il était là, de tout temps. Ce genre de bout de savon strié et sec qui traîne dans toutes les salles de bain communes. Et je le mets au défi de mousser. J'enfile un pantalon, une chemise d'homme, un cardigan trouvé dans la commode que j'aurais pas acheté, avec un col châle couleur vert d'eau au parfum de muguet. Des chaussettes en laine, ah, des godillots. Et je descends dans la cuisine. Alors, la bonne petite connasse, elle va y arriver aujourd'hui? Et je m'escrime à préparer le café.
Le plus souvent, j'arrive pas à allumer la cuisinière. Connasse. Connasse, connasse. Connasse. Je suis certaine que toutes les femmes avant et après sont plus belles que moi. Elles seront meilleures, plus puissantes, plus fortes. Plus irradiante, plus définitive, plus colossale. Alors, hein, néantissime, tu vas y arriver ? Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et je froisse le papier journal qui brûle sans consumer le bois. On a froid. C'est qu'on mordrait pour un café. Le temps que tu perds, l'aide comme un cul. Me parle à moi aussi. C'est pas bon signe. Faut pas rester seule trop longtemps. Vous étiez là? Ça veut pas s'allumer? C'est pourtant pas bien difficile. Je vous ai déjà montré. À force, vous aurez le coup de main. Oh, merci, mon Dieu. Vous lui avez pris la veste? Vous la reconnaissez? Je la remettrai. Sur vous, ça fait pas le même effet. Elle était belle. Elle est pas morte? Des cheveux. Hein? Et puis, faites au moule. Je vois. Vous l'avez bien connue. C'était sa maison. Mais au bout du compte, elle y venait rarement. Une femme engagée dans la résistance dès le début de la guerre. Elle a même connu le général. Elle est dans les Indes, on dit maintenant. Elle n'a pas photographié n'importe qui. Mais bon, depuis 2 ans, depuis que Monsieur Joris a racheté la maison, il y en a eu des pensionnaires. Un défilé. Nous, on n'a pas l'habitude. Il y en a une. Elle démolissait tout ce qu'elle avait fait. Ah bon? Avec une hache, en poussant des cris. On était plusieurs à venir voir. C'était des choses qu'elle sculptait dans le bois. Des petits personnages dans les bûches. C'était bien fait. Elle aimait pas. On savait pas ce qu'elle leur reprochait. Des enfants! Qu'elle leur disait. Et à nous aussi. Des enfants! C'est quand même dommage de se rendre malade pour des bûches. Vous êtes du genre calme. Ou plutôt, on peut parler. Bien sûr. On a l'impression de s'adresser à quelqu'un de normal. Vous voulez du café? Je voudrais pas vous faire perdre votre temps. Oh non, pas du tout. C'est vrai que du temps vous avez que ça. Ça doit faire peur parfois. Puis après, vous repartez toutes comme vous êtes venues. On se demande de quoi vous vivez. Moi, je dis qu'il vous paye pour vos affaires, j'ai pas raison. Qui? Monsieur Joris. Ça doit lui en faire des bricoles depuis le temps. Des tableaux, des sculptures, des choses sans nom. On n'a pas eu le droit de repeindre le mur des toilettes où il avait écrit. C'est de la poésie, il m'a dit. C'est trop difficile de prendre une feuille. Des gâteaux? Vous les avez faits? Je les ai trouvés à la boulangerie. J'y prends que le pain. Quel âge a-t-il? Monsieur Joris, vous lui donneriez combien? C'est difficile à dire. Ça dépend de sa ligne. Il profite, comme moi. J'en mange un. C'est comme si vous en mangiez 10. Après, il se met au régime. Un médecin lui concocte ça, de Chine, qu'on dit. Un médecin chinois. Crac. Il rajeunit. Oh, des histoires, j'en ai. Celle d'avant vous, elle a laissé un petit dans le vase de nuit. Oh non, dites pas ça, c'est... Je sais pas s'il est passé tout seul ou s'il y a mis les doigts. Elle allait pas rester longtemps. Fallait la pincer pour qu'elle parle. Bon bah, j'y vais parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Mmh.
vous revenez quand vous voulez. Ça vous fait de la distraction. La matinée est foutue. Tu déjeuneras pas, grosse truie, pour la peine. Je prends mon carnet de croquis. Je baille. Mais qu'est-ce que je baille? Mais c'est pas possible de bailler comme moi. Mais c'est pas possible. La fatigue me tombe dessus. Je ne sais pas d'où elle vient. Comme si j'avais tout donné, sans même avoir commencé. Dégoût-toi, vide, accablement. Personne ne m'oblige à ça. Tu as enfin la possibilité de le faire. Et tu ne fais rien. Oh. Levé trop tôt, lavé trop froid, barbotage du café, des biscuits dans mon ventre. J'ai des crises de bâillement comme d'autres, des crises de foie. Oh, oh, oh. Mes paupières se ferment malgré moi. Un fœtus étrangle le général de Gaulle avec son cordon ombilical. On le jette au feu. Il pleure au milieu des flammes. Des petits personnages sortent des bûches pour le bercer. Ils font avec leurs doigts de bois. Tais-toi! Tais-toi! Et tu fais quoi toute la journée? Mais je t'ai dit, je travaille. Tu sais, il ne me dit pas grand-chose. J'imagine qu'il pense que je te répéterai tout, donc on ne parle pas de toi. Même pour les enfants, c'est mieux. C'est pas moi? Ah oui, ça t'embête? Non. Ça te va bien? Tu n'as pas peur la nuit? Non. Moi, je ne pourrais pas. La maîtresse dit que c'est un gentil garçon. Rêveur, mais consciencieux. Elle est encore si petite, elle attend le courrier. Dès qu'elle reconnaît ton écriture, elle déchire l'enveloppe. C'est ce qui lui plaît le plus. Après, elle regarde vite le dessin. Oh, je les conserve dans une chemise en haut de l'étagère. Ça vaudra peut-être quelque chose plus tard. Tu n'as pas choisi la meilleure saison? Oh, il pleut tout le temps. C'est ça qui te fait dormir. Mais je dors pas. Tu ronflais comme quand on était petite. Non, je travaillais. Oh, je dis pas que tu dors tout le temps. Et c'est ces rideaux aussi. Pourquoi tu laisses pas passer la lumière? Non, j'avais les yeux fermés, Dodo. On peut voir aussi des choses. Les yeux fermés. Il faut toujours que tu te mettes en colère. C'est pas grave de dormir, si? Quand je vois le rythme avec deux enfants, je comprends. Tu as besoin de temps pour... Dormir, hein, c'est ça?
Et quand ce serait le cas? Ne me fâche pas, Dodo. C'est exactement ce qu'il me faut, c'est de la solitude, du temps. C'est plus compliqué que prévu, c'est tout. Et maman était certaine que ça te ferait ça. Dodo, s'il te plaît, ne parle pas de maman, hein? Je fais pas attention aux horaires. Je peux peindre la nuit et... Dormir le jour, est-ce que j'ai dit autre chose? Il écrit? Je suis son oreille neuve. Il m'appelle comme ça. Alors que tu sais, moi, je n'en pense rien de précis. Mais c'est ça qui lui plaît. Vous faites l'amour? Pourquoi tu dis ça? Oh, c'était pour rire. Tu peux rentrer quand tu veux. Il arrivera à séduire un chien. Merci. Tu vois très bien ce que je veux dire. Ici, tu te demandes ce que tu fais là. Chez toi, comment sortir de là? Dodo. Quoi? Je t'adore. Trouver l'équilibre harmonieux entre vie professionnelle et vie de famille est le défi de la femme moderne. Ils en parlent en elle. Oh, t'as changé de coiffure. La coupe à la Audrey Hepburn. Oh, ton mari a acheté une télévision. Il est le premier dans l'immeuble. Le voisin du dessous faisait le guet dans les escaliers. Hors de question de rater les installateurs. Depuis, j'ai l'impression de parler comme la speakerine. Comment ça? À force de la regarder. Dans la rue, au moment des courses, quand je vais chercher les petits. Bonjour, au revoir, merci. Alors, cette journée d'école? Oh, tu t'es fait mal, montre-moi ça. Tu vois, là? Oh, je prends ces intonations. Tu trouves que ça me va bien? Et ton Richard? Oh, on se voit moins. Oh. La dernière fois, il m'a emmenée au cinéma et puis on est montée dans sa chambre. On a fait tout ce qu'on peut faire sans que ça prête à conséquence. Ça en fait des choses. Ça t'a plu? J'étais contente de me prouver que je pouvais le faire. Tu ne vas quand même pas le quitter? Je vais essayer. Maman dirait que c'est une folie. Papa, tout le monde lui ment. Tu es gentille. Je ne suis pas idiote. Je n'ai pas dit ça. Et les enfants? Ta première exposition, c'était grâce à lui. Tu disais que vous étiez un couple évolué. Je veux y arriver seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les autres sont toujours là, quoi qu'on y fasse. Et qu'est-ce que je lui dis? Ce que tu veux. Ne sois pas fière avec moi. Et tu vivras de quoi? Il ne te laissera pas les enfants comme ça. Je préfère que tu mettes pas mes affaires. Mais c'est compris, c'est compris. Et Dodo, même si on se quitte, ne le fais pas. Tu veux que je reste dormir? Tout va bien. Simone, oui. Tout est là, à portée de train. Rentre avec moi. Merci bien. Tu pourrais voir un médecin. Pourquoi? Comme ça. Je suis en pleine santé. Il n'y a pas que le physique. C'est mental? Les nerfs, je sais pas. Va-t'en! Dodo, va-t'en! Tu t'énerves tout de suite. Mais tu irais, ça rassurerait tout le monde. Ça peut pas faire de mal. Dis-leur que tu as bien fait la commission. Je te l'ai apporté. Pourquoi tu veux lire ça? Merci, j'avais oublié. Tu l'as commencé? Tu me vois sortir ça dans le train?
Je lis Histoire d'eau d'une traite. J'aime devenir eau. Je passe la nuit à être eau. Dans la maison vide, où je tente de quitter mon mari, de gagner mon indépendance, de m'approprier un bout de mon art. Prétentieuse, c'est... Ce n'est pas le tien. Je suis eau. J'ai le goût de n'être rien que l'objet du désir d'un homme. Je goûte à la joie de la passivité, de la destruction de haut. Ne rien vouloir, ne rien décider, tout subir. Oui, jusqu'au sacrifice ultime. Dévoué corps et âme, ligoté, fouetté, prise et reprise. Mon corps s'en satisfait plusieurs fois. Et le lendemain, je dessine ce qui vient. Je m'efforce de ne pas le juger. Je chasse comme des guêpes tous les regards au-dessus de mon épaule. Et je leur dis, ah, mais je ne vous parle pas à vous. Taisez-vous. Taisez-vous. Propre, rangé. Le tableau sur la table de la cuisine, un petit format, peinture à l'huile. Un désert dans les tons ocre, avec deux portes au loin, demi ouvertes. Mais sur quoi ouvre-t-elle, on ne le distingue pas. Un œuf au premier plan, posé en équilibre sur quelques marches, un ruban pris dans le vent comme échappé on ne sait d'où. Elle l'a intitulé « Autoportrait ». Il y a une carte avec un merci. Voilà. C'est bien. C'est fini. C'est tout à fait bien, c'est tout à fait ce que je demande. Elle n'a rien laissé, pas un bout de pain, de fromage, un reste de vin, du riz dans une assiette. Elle a changé ses draps, emporté sa serviette de toilette. Son odeur a disparu. C'est comme ça. Et la Chine ? Comment c'était la Chine ? J'étais en Indochine. C'est pas loin. Si on veut. Vous avez fait quoi là-bas ? Comme toujours, j'ai filmé. Les gens vous laissent comme ça. C'est la guerre là-bas. La guerre, elle est terminée. Vous savez bien, les colonies. C'est pas pareil. Qu'est-ce qu'ils veulent d'abord ? Être chez eux. L'indépendance. Une fois qu'on leur a tout donné, ils veulent qu'on s'en aille ? Ils seraient pas ce qu'ils sont sans nous ? C'est plus compliqué. Ah bah ça, oui, bien sûr. Avec vous, je sais bien, c'est plus compliqué. Si c'était simple, j'aurais moins de travail. Je vais pas pouvoir continuer longtemps ! Vous dites ça chaque année. Thank you.
trouverait bien quelqu'un d'autre. Et après l'Indochine, il y a eu l'Algérie. On peut dire qu'il m'a déçu, le général. Il dit une chose et il fait le contraire. Et je n'ai rien vu venir. Je n'ai pas vu l'époque arriver. Au départ, les années 70 n'ont fait que succéder aux années 60. Non, il faut trouver une nouvelle femme de ménage quand la précédente part s'occuper de ses petits-enfants à plein temps. Tu vois tes hortensias? Je vois une autoroute, bord des orangerets de champs d'oignons. Des Mexicains courbés en deux qui travaillent dur. La tombe d'une autostoppeuse dont on a retrouvé le cadavre abandonné il y a peu. Comment peut-on voir ça désormais de cette maison? C'est l'époque qui veut ça. Ah, tu crois? Tu t'appelles comment? Annie. Alors on déménage sans s'en rendre compte. On se déplace. Et où est-on? On est tous en Californie. Ah bon? Tous? Je crois bien. Alors toi, ça t'intéresse, le ménage? Ouais. Moi, ça m'intéresse trop. Parce que tu le fais souvent chez toi, enfin, chez ta mère, chez ton beau-père? Je le fais tout le temps. Le ménage, c'est ça dans le sang. J'en demande pas tant, hein, tu sais. C'est comme ça, on choisit pas. C'est une passion. Les éponges, je les collectionne. Le détergent, si je pouvais, j'en avalerais. L'odeur, j'adore. Je suis incollable sur toutes les marques. Bon. C'est sale et puis ça vient propre. C'est de la magie, c'est tous les jours. Tu sais qui m'a parlé de toi? Mrs. Jenkins. Madame Jenkins. Elle pense que tu es une fille sérieuse malgré les petits soucis que tu as eus avec la justice. Qui vole un donut volera une voiture. C'est leur logique. Je me suis arrêtée au donut. Faut faire confiance. Vous pouvez me faire confiance. Elle t'a expliqué? J'ai fait le ménage et je touche à rien. Même les choses que je pense bonnes pour la poubelle, je les y mets pas. C'est ça. Et la prochaine locataire, c'est pour quand? Tout de suite. Myriam dessine des fentes. Elle creuse des fentes et elle les peint en rouge. Elle déchire des fentes dans des coussins roses et elle les souligne de rouge. Bon, il faut vivre avec son temps, non? Myriam ouvre toutes les portes et toutes les fenêtres de la maison. Elle installe sa machine à coudre dehors. Elle prépare des litres de café et de citronnade. Je ne demande pas pourquoi, je ne demande pas pour qui. Elle plante un panneau à l'entrée de la propriété. Only for women. Sur la corde à linge, elle accroche une collection de culottes multicolores. On dirait des fanions qui s'agitent en signe de bienvenue. Au départ, ce sont exclusivement des hommes qui viennent. Ils ont bien lu la pancarte et ils l'ont bien comprise. Myriam s'en assure à chaque fois. Je leur sers un café ou une citronnade d'adieu. C'est au choix. Et je leur demande de s'en aller. Si ça dégénère,
je sors la carabine dont mon père m'a appris à me servir adolescente. Et une fois, je vise juste à côté des pieds. Ça ne plaît pas à tout le monde. Une nuit, des hommes se regroupent, enlèvent la pancarte, arrachent la corde à linge, rentrent dans la maison, maintiennent Myriam sur son lit et la violent. Ils se déversent également sur toutes les fentes de bois et de tissu. Ils repartent satisfaits. Quelle bonne leçon. Elle saura que partout, c'est chez eux. Myriam marche lentement, les cuisses légèrement écartées. Je mets plusieurs culottes à fleurs l'une par-dessus l'autre. C'est idiot. C'est comme ça. Et elle recommence tout. La pancarte, le fil à linge, les fenêtres et la porte ouverte, la citronnade et le café, la machine à coudre et le tissu rose ou rouge entre ses doigts. Je conserve les fentes souillées. Je me dis que je dois leur trouver un nom. Pourquoi tu n'es pas allée porter plainte? Ce sont les risques du métier. Femme, c'est un job. Tu ne veux pas comprendre? J'aurais été là. Ça n'aurait rien changé. Les hommes venus ce soir-là, il leur arrive des drôles de trucs. Des trucs pas drôles. Maladie, faillite, accident. Il se met à courir des bruits sur Myriam. On raconte qu'avant de venir, elle a pris tous les balais trouvés au domicile conjugal. Le balai en paille, le balai brosse, le balai serpillière, le balai des toilettes, le plumeau à poussière, la balayette. Il y en a un tas des balais quand on y pense. Elle en a fait un bouquet d'adieux et elle est partie laissant sa fille et son mari. Mais j'en ai gardé un. Et les nuits de pleine lune, je le glisse entre mes jambes. Ces nuits-là, elles volent à hauteur de cheminée et jettent des sorts. C'est vrai. Enfin, il y en a qui y croient. Moi, je sais pas. On ne s'est pas compris. Si. De la discrétion. Aucune invitation. J'ai compris. Tout. Je ne supporte pas qu'on se foute de moi. C'est mon travail. Tu fais ce que tu veux dans l'enceinte de ces quatre murs. C'est ce que je fais. Tu dois rester à l'intérieur. Tu n'as rien précisé de cet ordre. Et on parle de toi. Tu as eu des plaintes? Tu vas t'en aller. Sinon, quoi? Sinon rien, tu vas t'en aller, c'est tout. Tu n'es pas chez toi. Tu ne veux pas de café? Ni de citronnade, merci. Je ne partirai pas de mon plein gré. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'en as pas eu assez? Tu parles de quoi? Mais tu vois bien que c'est dangereux. Ça va. Et je ne veux pas que cette maison devienne je ne sais quoi. Tu as peur pour la maison? C'est une jeune femme qui vient pour l'entretien. Annie, personne ne fait le ménage à ma place. C'est pour moi qu'elle le fait. C'est sale. Le ménage est une notion relative? Je ne trouve pas. C'est suffisamment propre pour moi. C'est son gagne-pain. Paye-la pour autre chose. Je ne vois pas quoi. Elle est mon invitée. Oh. Bon, et ces bouts de tissu, là, censés représenter... On voit bien ce que ça représente. Mais c'est pas du tout... Je n'aime pas porter de jugement. Je ne juge pas. Je me suis toujours interdit de juger. Enfin, c'est laid. C'est vulgaire. C'est voyant. C'est toi qui transpires comme ça? Je transpire? Non, je n'aime pas la position dans laquelle tu me mets. Tu n'arriveras à rien comme ça. Je pourrais te faire rencontrer des gens. Il vaut mieux que tu t'en ailles. La pancarte vaut aussi pour toi. Je suis chez moi ici. Tu l'as déjà dit. Et je déteste dire ça. À un moment donné, on est amené à le dire. C'est chez moi. C'est... laid. On est amené à se découvrir. Qu'est-ce que tu essaies de m'apprendre? Des peuples souffrent, se battent pour leur liberté, risquent leur vie, se font torturer. Il y a plus de rapports que tu ne crois dans tout ce que tu dis. Un jour, ils reviendront. Tu cherches à me protéger. Tu n'as pas d'herbe ?
je t'en donne si tu vas la fumer ailleurs. Jory, c'est parti. Myriam est restée. Elle me met à contribution. Nous fabriquons une sonnette d'alarme, plutôt rudimentaire, avec des conserves d'haricots vides qu'elle me fait peindre en rose, reliées par des fils. Comme un immense carillon. Je lui trouve une chienne, Louve, par sa mère. Encore bébé, mais elle grandira. Love, c'est son nom. Qui vole un donut, volera une chienne. Quand on entre dans la propriété, la musique métallique se déclenche. Aussi quand des animaux s'aventurent ou lorsque le vent souffle fort. Alors on ne peut pas dire que Myriam dort beaucoup. Elle se cale dans son rocking chair, le plaid sur les genoux, la carabine dans une main, le chapeau sur les yeux, la chienne aux pieds. Et le bal est pas loin. Le lendemain matin, sourire, quoi qu'il arrive. Myriam puise en elle une placidité et une patience que seules les jardinières et les pêcheuses possèdent. Ça finit par payer. Les femmes du coin s'arrêtent pour une tasse de café ou un verre de citronnade. Elles regardent les fentes de Myriam avec philosophie. Henri s'en foutent. Les touches. Elles apportent des œufs, des oignons, des oranges. Leur mari et leur fils se présentent pour réparer le cabanon que l'orage a abîmé, aider à la mise en place du potager. Myriam leur sert la rituelle boisson d'adieu. Apprends à ta femme, à ta fille, à ta sœur, qu'elle soit capable de le faire ici. J'adore. Judy vient de la ville. Elle s'intéresse à l'art féministe. Ça existe, oui. Elle en fait. J'adore. Myriam pose une tasse de café devant elle. J'adore. Judy adore l'installation plastique de Myriam et son projet communautaire et participatif. Elle pense qu'on peut aller plus loin. Elle pense souvent comme ça, Judy. Plus loin, plus haut, plus vite. Elle propose une nouvelle pancarte à Myriam. Here, women can practice art about their experience of being female. Ici, les femmes peuvent faire de l'art à partir de leur expérience de femme. Myriam accepts here, women can practice art. Myriam pense que les actes seuls se suffisent à eux-mêmes. Ils font ricochet, comme les petits cailloux que les adolescentes lancent à la surface de l'axe immobile, jusqu'à faire frémir l'eau tout entière. Mais pour Judy, au contraire, les actes seuls restent lettres mortes. Ils ne sont qu'un épiphénomène dans un temps et un lieu donné, vite prêts à être oubliés, effacés, d'autant plus lorsqu'ils sont accomplis par une femme. C'est bien un projet féministe. J'imagine. Qu'est-ce que ce serait d'autre ? Judy est convaincue qu'il est primordial de conceptualiser le projet de Myriam. De le formuler, de lui donner, Myriam, sa pleine vision politique, un avenir esthétique, une intention sociale, le situer, l'écrire, l'inscrire. Le valoriser ? Lui donner une visibilité ? Lui trouver une place dans l'histoire de l'art ? Myriam ne souhaite pas raconter ce qu'elle vit ou ce qu'elle fait. Elle estime que ça l'éloigne de son élan. C'est une perte de temps. Tu l'as déjà dit. De toute façon, quand elle essaie, elle ne trouve pas les mots. Et ce qu'elle fait lui semble alors sans intérêt. Pire que ça, abîmée par les mots qu'on pose dessus. Mais c'est pas un problème, puisque Judy va s'en charger. Non. Quoi ? Joris, le retour. Il est accompagné d'un homme en costume. Un huissier. Qu'il laisse cuire dans la Ford Mustang alors qu'il fait 39 degrés à l'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Il est difficile d'expulser des locataires, les propriétaires le savent bien. Plus difficile encore d'expulser des locataires qui sont venus à l'invitation du propriétaire sans jamais signer de contrat. Mais Joris et ses hommes de loi ont sûrement trouvé une solution. Dégradation du bien d'autrui, tapage nocturne. Joris n'aime pas agir par la force. C'est contraire à son éthique personnelle, c'est contraire à ses convictions politiques. Joris n'est pas un mâle lambda qui se laisse guider par ses instincts. Toute sa vie démontre le contraire. Toutes les scènes précédentes démontrent le contraire. Seulement, Joris n'aime pas passer pour un con. Joris ne pense pas que partout c'est chez lui.
Il pense que chez lui, c'est chez lui. Et au fond, ce n'est peut-être même pas ça. Ce n'est peut-être même pas l'instinct de propriété. Mais Joris n'aime pas voir des vulves en conserve tintinabulées au-dessus de lui. Ce que Myriam fait de cette maison le gêne. Son sanctuaire est sa vie, en quelque sorte. Joris laisse l'huissier dans la voiture, devenu four. Il découvre la seconde pancarte qui ne le réjouit pas, car pour Joris, l'art, ce n'est pas une ribambelle de culottes du rose au violet, immobile sous un soleil de plomb. Ce n'est pas la voiture de Myriam, peinte en rose vif, et dont le coffre rouge vagin est perpétuellement ouvert. Ce n'est pas une série de soutiens-gorge XXL accrochés au tronc des arbres. Mais bon, tout cela va bientôt trouver une conclusion. Il va y mettre un terme. Joris souhaite malgré tout une toute dernière fois, allez, je veux bien tenter une toute dernière fois de trouver une solution à l'amiable, ce serait mieux pour tout le monde. Joris est un homme évolué, progressiste, prêt à faire des concessions. Et Joris refuse l'emploi de la force. À l'usage de la force, Joris préfère que le rapport de force lui soit favorable. Et ça, il y arrive presque à tous les coups. Dès sa naissance, grâce à la position de ses parents, le rapport de force a été favorable à Joris. Et c'est comme ça que Joris a appris à prêter. Joris, enfant, prête ses jouets, car il a compris qu'ils lui reviennent ensuite. Et parfois, il donne ses jouets. Ça lui fait plaisir. Il lui est arrivé d'offrir tous ses jouets, l'intégralité de sa chambre. Et Joris s'en est trouvé grandi. Joris doit rendre dans ce monde où tout le monde veut prendre, sans cesse prendre. Joris accepte ce destin. Seulement, Joris n'est pas Jésus, même si les deux prénoms commencent par la même lettre. Joris se tient sur cette frontière subtile qui délimite l'honnête homme, le gentleman, du cocu au sens large, celui qui se fait avoir, plumé, dépossédé. Et cette frontière est essentielle pour Joris. Joris Martens. C'est Joris Martens. J'ai vu tous tes films, enfin la plupart. J'ai beaucoup d'admiration pour ton travail. Oh, tu es allé à la rencontre des oubliés, des sans-voix, des sans-visages. Je t'avais contacté il y a plusieurs années pour t'inviter à un débat à la PAC après la diffusion d'un de tes documentaires. Ah oui, oui, je ne sais pas, peut-être. Je crois, oui, oui. Enchanté. Et je vois que tu continues. Et je pars au Vietnam dans quelques jours. Ah, oh là là, ah d'accord. Ah non, non, mais je voulais dire ici. Ici. Avec cette maison dédiée aux femmes, aux sans-voix, aux sans-visages d'une société patriarcale. Oui, enfin, je ne sais pas. Ne sois pas modeste. Non, mais c'est parti de rien. Une expérience très personnelle. Une femme qui voulait être aimée d'une certaine façon. J'ai recueilli une collection assez rare d'œuvres réalisées par des femmes, mais c'est le hasard, un concours de circonstances. Alors que là, ce genre de militantisme revendicatif et naïf... D'installation totale, oui, de performance, de réappropriation par les femmes de tout milieu, de l'expérience de leur féminité. Tu es le mécène de la première exposition d'art féministe du pays. Je ne sais pas si j'en ai envie. On est parfois étonné de ce qu'on désire. Comment vous êtes-vous retrouvée là ? Je fais partie intégrante du projet. Je donne un tournant plus conceptuel. Tu as vu la seconde pancarte ? Ah oui, ah, c'est vous. Mmh. Ah oui. Oui, c'est un tournant. Tout à fait, j'imagine. L'intuition de Myriam est splendide. Maintenant, il faut lui donner toute son ampleur. Je suis rassuré de vous savoir là.
Je peux absolument pas prendre ça comme un compliment. Je suis une force du danger. Bien sûr, bien sûr. Je tiens à cette maison. Cette maison va devenir une œuvre d'art en soi. L'huissier, cuisère, petit feu. Et je suis pas sûre qu'il fasse un bon poulet rôti, hein? Tu le raccompagnes? On t'attend pour déjeuner. C'est une invitation. Hors de question. Myriam, on peut pas mettre tous les hommes dans le même panier. Mais encore moins le propriétaire. Erreur stratégique, élémentaire. Judy demande une dérogation. C'est une seule après-midi, merde! Bon, elle l'obtient. Personne n'a entendu le oui de Myriam, à part Judy. Myriam se cloître dans la maison avec Love. Joris visite les nouveaux aménagements. Voilà, donc le potager d'herbe expérimentale, toute fumable. L'enclos pour volailles qui ne pondent pas d'œufs. Les clapiers à lapins maltraités. Il existe des lapins maltraités. Toutes les espèces vivantes. Et ils font beaucoup de crottes. Chaussures fichues. Ah, les peintures, tentures, collages, tricots, explicités par Judy, prennent un intérêt nouveau. La salade de tomates du jardin n'est pas mauvaise. N'est-ce pas? Quel est ce parfum dans la sauce? Je cuisine pas. Et ça fait une éternité qu'il n'a pas bu de bière. Il faut bien se résoudre. À quoi? À tout, avec vous. Tu me déposes en ville? Elle conduit, d'accord? L'odeur du cuir, elle adore. Elle roule vite, cigarette au bec, vitre ouverte, radio à fond. Les clichés ont du bon. Joris passe une main qu'il aimerait décontracter dans ses cheveux pour éviter les méfaits du vent. C'est inutile, coiffure fichue. Ils sont allés jusqu'à la mer. Judy s'est baignée nue. Joris est resté sur la plage. Il hésite avant de s'asseoir. Costume fichu. Il louerait bien une chambre. Pourquoi un hôtel? Il a passé l'âge du plein air. C'est plutôt pas mal. Dans le leaking size du meilleur 3 étoiles de la ville. Judy repart en stop. La maison leur appartient désormais. La maison est à nous! Mais enfin, enfin, elles ont la possibilité de l'occuper comme elles l'entendent! Il n'était pas utile de coucher avec Joris, plus tard. Ben, qui a dit que c'était utile? Elle en avait eu envie, elle ne voulait pas se priver de ses désirs, elle écoutait son corps, elle pouvait écouter son corps. Bah, sans doute que la coucherie signait plus profondément le pacte. Les enfants partagent leur sang, les adultes frottent leurs organes génitaux. Non, mais peut-on dire ça? Et doit-on appeler ça coucherie? N'est-ce pas un jugement rétrograde? Non? Dans la bouche de Myriam, à l'esprit évolué, en pleine année 1972. Des filles, des femmes viennent. Certaines par Judy. Elles ne souhaitent plus continuer leur cursus artistique auprès de professeurs exclusivement masculins. Des filles, des femmes viennent. Elles ne veulent plus mettre de côté une part d'elles-mêmes. Des filles, des femmes venues de partout et du coin aussi. Le matin, assises par terre, on fait un tour de sol.
Bonjour. Je m'appelle Annie. Annie comment? Annie Brownson. Moi, je suis arrivée ici en même temps que Myriam. Myriam comment? Shapiro. Bon, chez moi, on trouvait pas de livres, pas de tableaux, tous ces trucs. La musique, c'était la radio. Quelquefois, on piquait un magazine au supermarché. Ça faisait le tour des mobilos. J'habite avec mes tantes et ma mère. Plus tard, ma mère s'installe dans une vraie maison avec son nouveau chéri, qui accepte une femme avec deux filles, alors sois gentille avec lui de toutes les manières qu'il demande. Il n'y a rien à lire non plus. Sauf des magazines de cul que je découvre sous le matelas du grand lit. Je les fais pas tourner. Je les regarde seule avant de les remettre en place. Je vais faire une maison de poupée. Des filles, des femmes qui travaillent, qui réfléchissent, créent, délirent, inventent à partir de leur sang menstruel, à partir de leur corps. Avec du papier, du carton, du tissu, de la laine, de la colle, de la ficelle, de la peinture, des crayons, de l'herbe, de la terre, des mots, de la bouffe. À partir de notre corps? De notre corps oni, de notre corps trop ceci ou pas assez cela. Oui, à partir de nos petits, gros, plantureux, creux, mal aimés, bien aimés, sensibles, insensibles, sains, à partir de notre sexe, de nos lèvres. À partir de notre désir, détestation de la maison. Maison à tenir, foyer, intérieur, maison prison, maison cocon. À partir des travaux ménagers. Et vaisselle à essuyer, serpillère dans les coins, linge à repasser, pommes de terre à bouillir, gâteau d'anniversaire à confectionner, fiches cuisine à collectionner, cocktail bien chargé, encore plus chargé, donne-moi la bouteille. Mais à partir aussi de notre relation aux hommes, avidité, frustration, refus, exaspération, dégoût, peur, envie, nécessité des hommes. À partir des enfants, qu'on lave, frictionne, élève, nourrit, embrasse, essuie. Des enfants à faire descendre, à relever, à encourager, à calmer, à leur hurler dessus, à sortir de leur chambre sur la pointe des pieds, à se demander quand est-ce qu'ils vont se réveiller, à s'ennuyer sans eux, à s'ennuyer avec eux. Des enfants qu'on écoute, console, endort. Des enfants qui nous engloutissent, qui nous ravissent, qu'on cogne, qu'on oublie. Des enfants qui viennent pas dans nos ventres. Des enfants qui poussent dans nos ventres là, sans qu'on leur demande leur avis. Non, mais ça, ce ne sont pas des enfants. C'est vrai. Pas encore des enfants. C'est vrai. Pas du tout des enfants. Un amas de cellules. Les enfants, on n'en parlera jamais assez, mais il faut bien s'arrêter. Le droit à l'avortement, on n'en parlera jamais assez. Bon, il faut bien s'arrêter. Ouais, arrêtons d'en parler. À partir du devoir conjugal. Oh, de trop le faire, de pas assez le faire, de mal le faire, et bien d'apprendre à mieux le faire. Et de pas savoir comment faire, de pas aimer ça. De bien aimer ça, d'avoir envie que ça change, de penser à d'autres en le faisant, oui, de penser autrement, de penser à rien, d'avaler des tranquillisants, de découvrir son clitoris. De se perfectionner en masturbation, oui. Vous êtes d'avoir pour ambition de devenir une femme fontaine. Oui, à partir des forces insoupçonnées, de la colère, de la rage, du dégoût. De la honte. Oh oui, de la honte. Oui, mais aussi du rire, de la sauvagerie, de nos danses, de nos sueurs, de nos griffes, de notre appétit. Enfin oui, à partir de tous ces trucs. Des trucs que beaucoup d'hommes trouvent sans intérêt. Certaines femmes aussi. Ah, tu trouves que ça manque d'intérêt? Est-ce que ça manque d'intérêt? On se rend compte. C'est con là, c'est complètement con. On s'en était pas rendu compte avant. Eh ben non, pas vraiment, mais là, collectivement. Bah oui, qu'on a deux, trois trucs à dire là-dessus. Deux, trois impressions qu'on est capable de conceptualiser deux, trois rigoles. Comme tu y vas? Je parle de dépendance. Je parle de prendre son indépendance. On fait le calcul du nombre d'années où on a travaillé gratuitement comme femme au foyer et partenaire sexuel accommodante. On se donne un taux horaire, même pas élevé, celui d'une vendeuse. Tu imagines ce qu'on aurait pu accumuler? Un petit pactole. Mais moi j'en viens à me dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des maisons où on a été confinés. Bon, pas seulement nous, mais nos mères, nos grand-mères, nos arrière-grand-mères. Moi j'en viens à penser que tout ça, l'espace intime, privé, toutes nos petites affaires là, et ben ça relève d'une dimension, bon je sais pas si c'est le mot, je me sens bête. J'ai un peu honte, mais on peut le dire, non? D'une dimension politique. Ah oui, tu crois? Je mange de la chatte. Tous les régimes sont acceptés. Ah, tous les régimes. Je peux dire quelque chose? A demandé Louise. Tu peux dire ce que tu veux. J'aime ma maison, ma
dit Louise. J'aime la cuisine, le repassage, les enfants, partout. J'en ai besoin pour réfléchir, penser, faire. Je ne veux pas en sortir, d'accord ? Choix, reine et impératrice de nos vies, nous avons traversé le canton. Il faut vraiment en passer par là? Mais oui, il faut en passer par là. La beauté, le ridicule, les cris d'admiration, les insultes, les crachats. La maison est ouverte au public. Le choix de Judy, se confronter au regard des gens. Exposition temporaire, a précisé Myriam. La première semaine, seules les femmes sont invitées. Puis, après un vote collectif, les hommes sont autorisés. Il y a du monde. Beaucoup de monde. Beaucoup plus de monde qu'elle ne s'y attendait. Vraiment ? Un succès, non ? On peut appeler ça un succès. Tu crois qu'on peut appeler ça un succès ? Un vif succès. Un succès inattendu. Pourquoi inattendu ? Un succès prévisible ? Un succès mérité. Joris est présent ? On sait pas trop ce qu'il en pense, au fond. On s'en fout, non ? Oui, c'est vrai aussi qu'on s'en fout. Il semble détendu. Il tombe la veste. Quel âge a-t-il ? Comment savoir ? S'il a connu les deux guerres, il doit quand même avoir dans les... Ce n'est pas possible. Il suit un traitement particulier, un médecin hindou, je crois. Ah bon ? Enfin, quand même, il doit avoir dans les... Tu veux dire qu'il est vieux ? Très. Il est immortel. Ça me dégoûte. Cette nuit-là, elle fête la réussite de l'exposition ! Le succès mérité de l'exposition ! Thank you.
connaît bien le recteur de l'université. Pourquoi ne pas lui demander d'ouvrir une classe d'études féministes ? Elle existera ! Mais très vite, Myriam n'y participera plus. Elle ne sera pas du tout d'accord sur la façon de raconter l'origine de cette aventure. Myriam accusera Judy de déformer la réalité. Tu reprends à ton compte l'ensemble du processus. Tu fais comme si tu en étais à l'initiative. Tu m'en veux ? Parce que je capte l'intérêt des journalistes. J'ai une aisance à parler en public, à transmettre ma perception, à raconter notre histoire, Myriam. Enfin, on peut se le dire, non ? Annie, j'ai pas raison. Tu ne me laisses aucune place. Tu as une facilité à utiliser le « je » à la place du « nous », à rendre le « nous » un « je ». Annie, dis-le. Face aux décideurs, tu es maladroite, confuse la plupart du temps, agressive souvent. Tes robes à fleurs, tu accuses mes robes. Tu es pire que le premier homme venu. Annie, avoue-le. Pour communiquer, trouver de l'argent, tu nous desserres. Je sauve l'immeuble en parlant après toi, tu comprends ? Ce serait bien si tu te rendais compte. C'est dur à dire, c'est triste. Plus personne ne sauve Myriam ou ne parle à sa place. C'est pourtant clair. C'est pourtant très clair, non ? Fuck ! Fuck ! Fuck, 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 fuck ! Annie refuse de choisir entre ses deux mentors. Annie passera sa vie à se battre. Elle militera dans des associations pour les lesbiennes. Elle participera à la création d'une maison d'édition de textes lesbiens. Elle répondra en pleine nuit à ses amis ou à des amis d'amis qui lui confieront leurs angoisses sexuelles. Des filles qui auront la crainte de ne pas être normales avec ce qui se passe dans leur tête. Des filles étouffées de honte. Annie sera désavouée par son groupe, qui ne trouvera pas Annie conforme à ce que doit être une bonne lesbienne. Annie accompagnera les derniers instants de sa mère, qui mourra d'un cancer sans couverture sociale appropriée, à l'âge de 52 ans, comme la plupart de ses tantes. Le dernier mot que sa mère lui dira est « pardon ». Annie n'en voudra pas à sa mère de lui avoir mis ce beau-père dans les pattes qui a salopé son enfance et définitivement modifié sa vie. Annie aimera le sexe. Elle aura plusieurs histoires d'amour et beaucoup de partenaires sexuels occasionnels. Annie confectionnera des harnais avec lesquels elle prendra du plaisir et en donnera à d'autres. Annie s'interrogera sur ce qui l'a fait jouir. Annie sera jugée par ses amis d'avoir besoin de fabriquer un sexe d'homme pour trouver du plaisir avec une femme. Annie sera sollicitée par d'autres amis et parfois par les mêmes pour leur apprendre à fabriquer un harnais compétitif. Annie pensera longtemps que le féminisme ne peut être que lesbien, puis se rétractera sur ce point. Annie a toujours su que comme sa mère et ses tantes, elle mourra, elle aussi, d'un cancer sans couverture sociale appropriée. À l'âge de 52 ans, Annie se mariera avec sa dernière compagne. Elles auront un enfant, un petit garçon. Annie veillera à ce qu'il court dans les herbes hautes quand le soleil se couche. Annie enseignera à ses étudiantes à parler et observer et examiner et ausculter ce qu'elles aiment, admirent, adorent, plutôt que ce qu'elles contestent, détestent, critiquent. Annie, tout au long de sa vie, ne dormira pas beaucoup, car elle trouvera toujours d'autres choses à faire, comme gagner de l'argent, militer, créer, faire l'amour. Annie se souviendra du refuge de la maison de Myriam. Mais nous n'en sommes pas là. Où en sommes-nous ? Elle fait la réussite de l'exposition. Elle s'aime.
L'aube est là. J'espère qu'elle s'aime. Un joint passe de main en main. Qu'est-ce qu'elle s'aime? C'est fou comme on peut s'aimer et oublier. Elles ne font pas attention à moi. Elles parlent comme si je n'étais pas là. Oh, aucune ne m'a demandé de partir. C'est déjà ça. Il n'y a pas d'homme. Non, il n'y en a pas. Non. En fait, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Mais depuis notre enfance, et bien avant, on nous fait croire que ça existe. Mais c'est la première croyance. Les hommes, tu vas voir petite, c'est quelque chose. Et ça n'existe pas. Mais rien. Absolument rien. Tu peux chercher longtemps. Tu peux passer ta vie à chercher. À chercher comme on t'a dit que c'était. Comment on t'a dit que c'était? Tout ce qu'on dit que c'est. Oui, tout ce qu'on dit sur les hommes. Ça, c'est un homme. Ça, on peut dire que c'est un homme. Mais ça n'existe pas. Ah non. C'est vrai. Je confirme, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que vous appelez un homme? Seulement, il faut dire la vérité. On est les premières à faire semblant. Ça, c'est sûr. On fait semblant d'en trouver. Là-dessus, on est imbattable. Celui-là, c'est un homme. En fait, il n'y a que les femmes pour faire croire à l'homme. Mais c'est vrai, ça. Mais c'est exactement ça, depuis le début des temps. Et ça continue jusqu'à maintenant. Et personne n'arrête d'y croire. Non, on se fait croire entre nous qu'on ne sait pas que ça n'existe pas. Au contraire, encore mieux. On se fait toutes croire que si, ça existe. Dès qu'on a une fille, on lui dit « ça existe !» Oh là là, comme ça existe. Tu vas bientôt en trouver un. Mais bon, elle n'a pas envie d'être la seule andouille qui n'en a pas trouvé. Alors, elle apprend à s'en fabriquer un. Elle est déçue. Mais bon, elle ne s'arrête pas trop longtemps sur sa déception. Elle se fabrique son homme. Il tient à peu près debout. Avec le temps, elle et nous, on y croit de plus en plus. Et puis après, avec le temps, elle et nous, on y croit de moins en moins. Mais entre le temps où on y croit de plus en plus et le temps où on y croit de moins en moins, les années fertiles sont passées. Des enfants sont nés. Des garçons et des filles. Il faut recommencer. Les garçons, on leur fait croire qu'ils vont être des hommes. Et puis les filles, qu'elles vont en trouver. Mais ça n'existe pas! Il faudrait se le dire une bonne fois pour toutes. On se le dit. Ouais, on est en train de le dire. C'est grave. Bah, c'est un peu grave quand même, hein. La vérité me fait toujours du bien. Ça fait un vide. Tu sens un vide. Ah ouais, bah oui, moi ça me fait un vide. Mais les femmes, ça existe? Qu'est-ce qu'il est couillon? Il est vraiment couillon. Tu es sorti d'où? Qui c'est qui t'a nourri? Qui c'est qui t'a torché? Qui c'est qui t'a élevé? Qui c'est qui t'a fabriqué? Qui c'est que tu baises? Qui c'est que tu tapes? Mais je ne tape personne. Non, je demandais, c'est tout. Il ne proteste pas. Il aurait protesté, il serait passé pour machiste. Il n'a pas protesté. Il passera soit pour un lâche, soit pour un sournois, soit pour paternaliste. Quoi que ce soit, il est bien évident que ça ne conviendra pas. Donc il se la ferme, c'est le plus simple à faire, non? Et Joris n'a pas couché avec Judy. Il ne sait pas pourquoi elle a eu besoin de raconter ça. Bon, ça l'a plutôt flatté d'ailleurs, mais le fait est qu'il a refusé, quand elle lui a tout à fait explicitement proposé. Il en avait envie, mais il avait conscience. Ben, il en avait conscience, c'est tout. Il n'a pas cru ça possible. Bon, il sait que pour beaucoup d'hommes, ça l'aurait été. Ben, peut-être qu'il a une libido de merde. Peut-être qu'il a des préjugés que l'époque qu'il vit devrait faire exploser. Ben, qu'on ne se trompe pas, Joris ne postule pas pour le rôle de nuque. Tu vas lui dire? Quoi? À ta fille, que les hommes n'existent pas.
Tu n'es pas folle. C'est ton devoir. Je veux qu'elle soit heureuse. T'as été heureuse, toi? Elle, ce sera peut-être différent. Dans le mensonge? Un mensonge si vieux, c'est devenu une vérité possible. Comment tu peux souhaiter ça pour elle? Je veux que la vie ne lui fasse pas de mal. Tu veux sa mort? Joris parle de moins en moins. C'est ce qui se passe quand on vieillit, non? On parle de moins en moins car on vous écoute à peine quand vous prenez la parole. Vous avez déjà dit, paraît-il, ce que vous tentez d'exprimer. Ils l'ont déjà entendu. Les jeunes ont tellement envie de parler. Et les femmes? Alors les jeunes femmes... Elles exigent que vous les écoutiez. Elles souhaitent à toute force vous convaincre. Ou alors elles vous ignorent complètement, comme si vous étiez déjà mort. Et les années continuent de passer. L'an 2000, les années 2020. Joris comprend de moins en moins, mais enfin, ça a l'air assez commun. Joris a des chats, des livres, des bouteilles millésimées et des œuvres de femmes chez lui où personne ne va. Personne. Absolument personne. Pardon ? Bon, son aide à la personne, Christiane. Il coupe ses appareils auditifs quand ça l'arrange et il ne voit plus très bien, il a développé un glaucome. Il essaie de se dire que c'est une chance, ne pas voir et ne pas entendre ce pourquoi on n'est plus fait. Pourtant, il aimerait connaître la vue qu'on a aujourd'hui depuis la fenêtre de la maison. Quelle est celle qui se penche à la fenêtre et ce qu'elle regarde? Et c'est comme si Florence l'entendait. Florence entend Joris. Il lui répond. Des champs de lentilles, de quinoa et de pois chiches. Levant sa charne sur un habit jaune fluorescent, abandonné dans la boue. Des fleurs d'autres climats. Avale une pluie bretonne. On s'est déplacé. C'est l'époque qui veut ça. On est un peu au milieu de nulle part. Tous. Je crois bien. Thank you.
campagne française, elle a beau avoir des différences selon les régions, c'est toujours la campagne française. J'ai posé mes affaires sur le lit, je n'ai rien défait. Je peux seulement changer de chambre, si c'est mieux. Comme j'arrivais la première, pas de problème. J'ai pris celle avec le grand lit. Il y en a une autre avec un grand lit et une avec des lits jumeaux. Ok. On peut faire une tournante. Pardon? Pour les chambres. Définir une période. À tour de rôle, chacune dort dans la chambre au lit jumeau, la moins confortable. On verra. On s'est déjà croisés. Je sais pas si tu te rappelles. Dans un festival. Une table ronde sur la mort de la fiction. Ah, ouais. C'était pas... Non. Mais les gens étaient gentils. J'ai vu que tu avais fait paraître quelque chose, un essai. Je ne l'ai pas encore lu. Oh, tu sais, même si tu le lis jamais, c'est pas grave du tout. Ah non, 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 mais j'ai très envie de le lire. On en parle, non? C'est bien. Tu trouves qu'on en parle? Ah oui, j'ai vraiment l'impression. Je ne sais pas où, je ne me rappelle pas, mais... Oh, oui, j'en ai entendu parler, ça c'est certain. Et toi? J'ai une pièce éditée à la rentrée. Ah. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu écris du théâtre. Oui. Bien sûr. Mais j'y vais pas assez souvent. Tu me diras quand tu auras une pièce représentée. Si tu veux. Te sens pas obligée. Ah non, pas du tout. Joris Martens. Alors? J'ai rien trouvé de significatif, et toi? Pas grand-chose, hein. On pourra dire qu'on a accepté en toute bonne foi. S'il se passait quoi? Bon. C'est quand même bizarre si maintenant, dès qu'un homme s'intéresse aux écritures féminines, on met tout de suite en doute sa probité. Tu dis écriture féminine? Qu'est-ce que je dois dire? Écriture de femme. Des femmes qui écrivent. J'ai un peu du mal à suivre la terminologie. Écriture, non? Ça suffit? Non? Écrire. C'est bien. On est trois femmes. On préciserait pas écriture d'homme. On est en train de se méfier d'un homme commanditaire de trois écritures de femmes. Je me considère pas comme une femme. Ouais, bien sûr. Ah, tu es d'accord? Sur quoi? T'es pas une femme. Si? Oui. Non. De quoi tu parles? Ça me définit pas. Alors, Joris n'est pas un homme. Ah si. Si, après des siècles de patriarcat, on accepte qu'il nous enferme dans une maison. À son invitation et contre rémunération. Des clopinettes. Pourquoi tu as accepté? Les clopinettes. Ah, on n'est sans doute pas son premier choix. Je me suis aussi posé la question. Tu te la poses trop souvent. Pardon? La question d'être un second choix, ça se voit tout de suite. Tant que ça. Tu as tort. Il y a des endroits où je suis un premier choix. Elle nous rejoint à quelle heure? Elle avait une interview sur France Culture. Mais qui va la chercher à la gare? La femme de ménage? Mais non! Je croyais que tu ne voulais pas qu'on aille te chercher à la gare. Eh oui, c'est vrai, je veux pas. Tu as marché? Oui. Les 15 kilomètres? Ça doit faire à peu près ça, oui. Avec ton sac à dos? Il n'est pas si lourd. T'as pas eu peur de te perdre? J'ai un bon sens de l'orientation. C'est politique. Est-ce parce que je ne veux pas déranger quelqu'une et que je trouve inutile de polluer davantage la terre pour quelques kilomètres? Non, j'aime marcher. Tu aimes sans doute marcher pour ça. Ah non, c'est sans rapport avec mon amour de la marche. Ah. Tu marcheras avec moi? Pourquoi? Comme ça? Tu sais, moi, je marche normalement. Oui, ben... Moi aussi, je crois. Non, mais
T'as lu son roman? C'est plutôt un journal intime doublé d'un documentaire. Oui, j'ai lu. Oui, tu as lu, bien sûr. C'est formidable. Ah oui, c'est bien. Oui, oui, c'est très bien, c'est mérité. J'ai pensé qu'elle ne viendrait pas. À un moment, j'ai pensé ça. Qu'elle aurait autre chose à faire. Qu'elle passait dans une autre catégorie. À sa place, je crois que je ne serais pas venue. Ça ne me fait pas particulièrement envie, les résidences d'écriture. De loin. De près non plus d'ailleurs. Non, je crois que mon premier choix serait de ne jamais en faire. Tu as des enfants? Tu m'imagines avec des enfants? Oui. C'est faux. C'est vrai? C'est complètement faux. C'est absolument vrai. J'ai un fils. De quel âge? Alors, comment vous allez? On parlait de toi. Alors, nous y voilà. On est heureuse pour toi de ce succès. Mérité. Tout à fait. Ce succès mérité. Merci, merci. Enfin bon, succès, on se calme tout de suite. Hein. Oh. Non, mais c'est chouette, bien sûr. Je vais pas non plus faire comme si. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je suis contente d'être là avec vous. Tranquille, peinard, pépère. Juste à écrire. Oh, quel cauchemar. Bon, il n'y a que deux chambres avec des grands lits, j'ai pris l'une des deux. Mais Florence propose de faire des tournantes. Ce soir, elle dort dans mon lit, demain dans le tien, mercredi dans le sien. Mais t'es complètement... Complètement. Prends celle que tu veux. Ça m'est égal. Moi aussi. Prends-le. Chaque semaine, on peut... Tourner? Joris Martens. Aujourd'hui, c'est un très très vieux monsieur. Sa date de naissance est introuvable. Il est connu pour se faire soigner par des médecines alternatives, aborigènes, je crois. Il a fait de la maison la fondation Germaine K, dont il est le président, soutenu par le conseil régional, le département et l'État. Comme vous le savez, les résidences sont exclusivement adressées à des artistes femmes. Aurais-je été sélectionnée l'année prochaine? Pourquoi? Elle ne se considère pas comme une femme. Je suis un peu pliée. Je me demande comment écrire. Quoi écrire? Je me demande si Arthur est au lycée. Je me demande si je devrais lui envoyer un SMS. La rédaction du SMS me demandera autant de temps qu'une première page. Équilibre délicat entre maternage et remontrance. Autorité bienveillante et tendresse musclée. J'ai froid. Comme d'habitude, j'ai pas pris assez de pull. J'aurai jamais le temps d'écrire tout ce que j'ai à écrire. Je vais mourir avant. Il faut pas mourir avant. Il y a des moments miraculeux. Il faut les vivre. Souffler dessus comme les braises d'un feu au bord de s'éteindre. En profiter comme des bonbons trouvés par hasard en cachette, à l'abri de tous. Après l'appel annonçant le prix, je me suis assise à une terrasse de café toute seule. Elles sont chouettes. Je les aime. Je les connais pas, je les aime. Quelquefois la vie quand même. Je suis un peu pliée. Je suis un arrosoir, je suis une pomme qui pousse, je suis une bouffée de chaleur, sans ménopause. Je suis mon pire ennemi, je suis une injection tous les matins, je suis une voix qui traverse une octave, je suis un clitoris qui enfle. Les femmes, j'en ai marre. Ah, ouais. Les femmes ceci, les femmes cela, ce que pensent les femmes et ce que font les femmes, je n'en peux plus. D'être une femme, d'avoir la responsabilité d'être une femme, de me demander quelle femme je suis. Si on parlait des arbres, des peupliers, par exemple. C'est un drôle d'arbre. Ah bon? Tu les aimes pas?
Si, je les trouve beaux. Étranges, mais beaux. Ouais, tu vois. Si on parlait des peupliers. Si tu veux. Mais pas seulement des peupliers. Des chênes nains, des figuiers, des baobabs, des érables, des charmes. J'ai peur que la nature m'emmerde aussi. La nature aussi, comme les femmes. Mais décider de parler de quelque chose, en fait, j'aimerais que ça vienne là. Tout seul, entre nous. Connement, non? Juste être là. Et voir ce qui vient entre nous. Je sais pas. Tu me fais peur. J'aime ça. Mais y'a rien de mieux. Quand tu atteins un certain âge, on vient te voir avec une idée derrière la tête. Tu as vécu, tu es un lieu ressource. On peut te poser des questions et attendre de toi réponses et conseils judicieux. Toi, tu attends qu'il se passe quelque chose pour de vrai, au présent. Et le présent, on le vit sans toi. Tu as besoin de dire qu'elle est noire ? Je n'ai pas besoin de dire qu'elle est noire. Je dis juste qu'elle est noire. Et quand tu as une amie blanche, tu ne précises pas qu'elle est blanche, si ? Non ! Mais comme le fait qu'elle soit noire, qu'on le regrette ou pas, conditionne sa vie, je trouve ça important de dire qu'elle est noire. Et puis ça la différencie, tout bêtement. Tout bêtement ? Mais je rêve. Mais on peut quand même entre nous le dire parce que ça va plus vite. Entre nous ? Attends, mais c'est quoi cet entre nous dégueulasse ? J'ai pas du tout envie d'en faire partie. On va pas toujours parler comme si on était écoutés ? Par qui ? On ne se comprend pas. Ah, je crois qu'on se comprend très bien, au contraire. Je suis raciste, homophobe, hétérosexuelle, blanche, mariée, mère et j'ai plus de 40 ans. Où dois-je être déportée ? Mais tu me dis où mettre, ou dans quel train monter ? Tu te rends compte que c'est d'une malhonnêteté intellectuelle faramineuse ? C'est à vomir. Ce sont les homosexuels, transsexuels, transgenres, racisés, qui ont été opprimés pendant des siècles et qui essaient juste de se faire entendre et respecter, que tu accuses de vous opprimer. On peut pas parler. Mais non. Si, on peut parler. Parle. J'arrive plus à parler. Mais tant pis pour toi. Je peux te dire ce que je ressens. On ressent tous et toutes des choses, tu sais. Ça ne veut pas dire qu'on pense juste. Tu me désespères. Tu me plais, moi. Je te plais pas du tout, je suis tout ce que tu détestes. Ah, parfois c'est attirant, la bête qui meurt. Fais attention, je pourrais te contaminer. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. J'ai pas du tout envie que tu m'embrasses, pas du tout. On s'en fout des codes de la représentation. On s'en fout qu'un homme soit joué par une femme ou réciproquement. Mais non ! Dans plein de pièces, ça n'aurait aucun sens. Ben moi, j'écris à partir de mon expérience. J'écris à partir de tout ce que je n'ai pas vécu. De tous les corps que je n'ai pas habités. Mais il n'y a pas les opposés ! J'ai été harcelée, amie. Toutes les femmes l'ont été. Le mot n'existait même pas, on l'a tout été. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? C'est grave ce que tu dis. Je dis des choses graves. Mais quelle est ta logique en fait ? Comme vous avez toutes été violées et toutes harcelées à votre génération, nous aussi, il faut qu'on le soit et qu'on se taise. Mais en fait, t'as rien aimé dans ce que j'ai écrit. Ni le sujet que tu trouves putassier, ni l'écriture inclusive que tu trouves dans l'air du temps, ni que ce soit un roman documentaire. Dis-le ! Entendre d'autres voix, des voix qui ne sont pas entendues, qui ont été invisibilisées et étouffées, ça n'a pas de sens pour toi ? Pardon. Allô ?
La conclusion, c'est que je ferais mieux de mourir, tout discrètement, tout tranquillement. On peut pas en vouloir à quelqu'un qui meurt. On peut pas lui réclamer son travail. Absolument pas. La mort, c'est à la fois très banal et complètement inattendu. J'aurais déjà eu une belle vie. Un âge tout à fait acceptable pour mourir. Un peu jeune, bien sûr. Un tout petit peu jeune. Je ne le pense pas sérieusement. Mais je le pense complètement. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme. J'écris ça en boucle. Dans cette chambre, à moi, pour un temps. Comme Jack Nicholson dans Shining. Dans son hôtel à lui. Sa femme, aux cheveux filasses, se sauve en chasse-neige avec leur fils. Elle évite ainsi de se faire découper à coups de hache. Impressionnant, magnifique. Conduire un chasse-neige. Quel exploit. Première chose que je me suis dit après avoir vu le film, il me faut mon permis chasse-neige. Je vais faire du thé. À force de prendre des pauses, je ne sais plus quand je travaille. En fait, je suis principalement en pause et de temps en temps, je travaille 5 minutes. Je peux aussi ouvrir une bouteille de vin. Mais il n'est pas encore midi. Mais bon, à titre exceptionnel, j'ai envie d'un kir. La ménopause est une joie. Je ne sais plus où j'ai mis les gâteaux apéro. Je les cache assez bien. Des fois dans la salle de bain, ce qui est idiot parce que j'en mange après m'être lavé les dents. C'est déplaisant la campagne qui met des insectes partout, alors qu'il paraît qu'il n'y en a presque plus. La campagne qui met de l'humidité partout alors que l'eau disparaît. Je ne saurais pas vivre ce qui nous attend. J'en suis incapable. Je ne pourrais pas m'en passer. Je veux dire, les bains chauds, les aérosols, les Kleenex, les sopalins, la lessive, l'assouplissant, les cotons-tiges, le steak de bœuf, le saucisson, la graisse de canard, l'écriture non inclusive, le harcèlement sexuel. Ça va tellement me manquer. J'ai couru 25 km. Je t'en ai demandé. Pardon. T'en as pas marre de la perfection? Dès que tu ouvres la bouche, il faut que j'aille me pendre. Il y a un arbre tout à fait adapté que j'ai repéré. Tu veux le voir? On est proportionnés, lui et moi. Tu n'aimerais pas prendre une douche? C'est une proposition? De quoi? Retrouve les gâteaux apéro plutôt. Non, ce sont mes gâteaux apéro. Si tu les trouves, tu pourras en manger un. Je fais un kir. Un kir? Un kir, absolument. Un kir tout à fait. Ça pose problème à quelqu'une? Aucun problème. Dis-moi, tu veux bien me prêter ton téléphone? Tu refuses d'avoir un téléphone portable? C'est contraire à ton idéologie. Mais tu en as quand même besoin, la preuve. Je vais demander à Val. Voilà! Madame, monsieur, je ne veux pas de téléphone. Je suis loin de la société de consommation des muscles. C'est du béton, j'ai une bite à l'utérus. C'est la grande forme à ce que je vois. Tu veux de la thé? Quoi? De la testostérone? Ça donne envie de quoi? De tout. De courir, de manger, de baiser, de penser, d'écrire. Merci. Je vais faire avec mes oestrogènes en baisse. Tu as fini ta commande? Ça va. Non, t'as pas déjà fini? Ça va. Mais tu le fais exprès? Val! Elle téléphone! Qu'est-ce qu'il y a? Elle a fini sa commande, les gars! On parle d'autre chose. Mais je parle que de ça, même quand je parle d'autre chose, t'as bien vu? Bon, tu veux que je te lise un extrait? Mais bien sûr que non, mais absolument pas! Mais non, vraiment non, merci!
Tu n'écris pas, tu pisses. Tu vas rester là, dans cette maison, encore 15 jours. Tu as raison, tu vas mourir. Non, je ne suis pas là pour mourir, mais pour écrire. Ça semble la même chose pour toi. Il y a un monde à côté, pas loin. Ah oui? Tu crois encore à ça? Je crois que je ne vais plus sortir. J'ai pris l'habitude et j'aime ça. Un producteur me propose d'écrire une série à partir de mon roman. Bravo! Plus personne ne lit. Qui sait encore ouvrir un livre? C'est formidable! Tu vas gagner du pognon sur l'histoire de femmes racisées et précaires qui ont remporté une victoire sur leur employeur après 45 jours de grève. Rien ne se perd, tout se récupère! T'es vraiment dégueulasse. Oui, non, non, c'est très bien. Pardon. Allô? Elle a le téléphone qui sonne tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Lola, pardonne-moi. Non, ne me touche pas, ne me touche pas. Je suis vraiment une merde. Dis pour rien, dis. Vous avez rien à voir. Explique-moi, parle-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi, dis-moi. Je suis dans les fesses de la dame. Je suis dans ses fesses. La soigner, que ça ne devienne pas une escarre. Mais moi, je ne suis pas infirmière. C'est pas à moi de m'occuper de ça. Alain me le dit, hein. Il lui arrive pas que ce soit à la vieille, c'est toi qui vas payer. Je vais à la pharmacie sur le temps de midi. Mais c'est pas à moi d'aller à la pharmacie. Après, je déjeune pas. J'ai pas le temps. Ben, si personne n'y va, bon, alors j'y vais. Et ils me le disent, hein. C'est pas à vous de vous occuper de ça. Il faut mettre des gants. Est-ce que vous mettez des gants? Comment je penserais à mettre des gants? Bon, le fils de la dame, il a compris que je me laisse dominer. Il m'a fait pleurer une fois. Maintenant, il a compris, il refuse d'appeler une infirmière, il veut que ce soit moi qui m'en charge. Mais ils me l'ont dit à la pharmacie. Elle peut développer des escarres ou même non, mais attendez, la gangrène. Non, moi j'ai encore 4 clients avec cette association, puis après j'en prends plus, hein. C'est bon, ça y est. Oh, les femmes qui gèrent ça, ouais, des femmes comme vous, enfin je veux dire des femmes derrière les bureaux, elles ont un peu de compétences dans l'informatique, question fiche de paye, mais bon, elles ont fini à 17h, après il n'y a plus personne. Le week-end, si on a un souci, bon, on tombe malade ou un deuil dans la famille, il n'y a pas de permanence. C'est à nous de trouver une remplaçante, vous vous rendez compte? J'avais un monsieur, j'ai fini mon préavis hier, j'attendais de payer. Je devais m'occuper du monsieur, mais j'ai fait la cuisine pendant un mois pour les enfants, les petits-enfants. Alors s'ils ne me payent pas, parce que j'attends, mais pour l'instant j'ai toujours pas mon chèque, comment on fait? Alors je leur demande aux dames de l'association, s'ils ne me payent pas, comment je fais? Elles me disent, ah ben ça c'est pas de notre ressort, faudra aller au prud'homme. Comme si j'allais aller au prud'homme.
m'envoie les 4 clients, et j'attends qu'ils y passent, et puis après, j'en prends plus. Mais seulement, comme c'est moi qui m'en occupe, ils sont pas prêts d'y passer. Ben, ça va arriver, d'une manière ou d'une autre, c'est obligé, c'est sûr. Il y en a une qui a 92 ans, l'autre 88, alors ça va finir par arriver, et après, j'en prends plus. Non, moi, je préfère les chèques emploi-service, comme ici, c'est mieux. Moi, je le dis pas à Alain. Parce qu'Alain, je le connais, il prendrait la voiture, il prendrait le camion, il prendrait un hélicoptère s'il en avait un, il irait leur mettre sa tête à l'envers aux dames de l'association. En plus, il veut plus que je travaille le week-end. Moi, il prend sa retraite, alors il a envie qu'on profite un peu. Il me dit, tu te crois la fille parfaite? Mais je suis pas la fille parfaite, mais je suis consciencieuse. C'est tout. Puis toujours, je suis comme ça. Ce que vous croyez, quand j'ai fini avec les fesses, je laisse tout en plat? Ben non. Faut la faire manger, puis après, faut ranger. Alors le fils, il me dit, vous allez la réveiller. Je lui donne son petit médicament pour la nuit, elle dort, je la réveille pas. Puis quand je pars, tout est propre, y a rien qui traîne. Je peux pas faire autrement, je suis comme ça. Quand je rentre chez moi, il est 21h, et j'ai rien mangé à midi. Non, il faut que je me calme. Sinon, je grossis. Enfin, j'ai perdu 17 kilos. Tout le monde me dit que ça me va bien, ça me rajeunit. Mais bon, mon nouveau chien. Parce que l'autre, il est mort. Il demande pas à sortir. Alors, ça me fait moins d'exercice que le précédent si je le sortais pas. Non, le yoga, ça me faisait du bien, mais j'ai plus le temps. Non, il faut que je trouve un équilibre. Il faut que je distancie, que j'arrête de me laisser dominer, parce qu'autrement... Bah oui. C'est Christiane, elle a des soucis. Ah bon? Bah c'est ce que je disais à la petite. J'étais dans les fesses de la dame. Alors... Elle nous racontera. Vous voulez un café? Une citronnade? Un kir? Bah j'ai du travail. Oh, vous avez le temps. Vous n'aurez pas besoin de faire ma chambre. Ni la mienne. Pareil pour moi. Bah, je suis pas payé à rien faire. On n'a pas dit ça. C'est pas un petit café qui va vous retarder? Vous êtes propre, vous. Ça va? Mais c'est pas toujours le cas, qu'est-ce que vous croyez? C'est Monsieur Martin qui me dit ça va être des femmes dans cette maison. Que des femmes, tout le temps. Pas d'hommes qui me dit quand j'ai accepté le travail. Moi, ça m'est égal, sauf que bon, je me dis tant mieux. Ça va être propre, parce que quand même, les femmes, elles ont l'habitude. Ben, pas du tout. Ah, il y en a qui sont très sales, vous pouvez pas vous imaginer. Ah, les toilettes, la salle de bain, la cuisine. On pourrait y élever des porcelets. Mais Christiane, ça n'a rien à voir avec le sexe. On ne doit pas vivre dans le même monde. C'est maintenant que tu t'en rends compte. Et peut-être qu'elle se repose ici, Christiane. Peut-être qu'elle se repose sur vous. Ah, ça, pour certaines, elle se repose bien, ça je peux vous dire. Et vous faites quoi, vous trois, là? Vous êtes dans les arts, là? On écrit. Ensemble ou séparément? Les deux. On n'a pas la même cadence. Il y en a qui vont vite et bien et d'autres lentement et mal. Bon, mais vous vous connaissez? Très peu. Pas mieux. Ouh là là. Mais ça va? Ça va. On fait aller? On n'a pas le choix. Moi, j'aimerais pas vivre avec des inconnus. Hein. Même pas longtemps. Et puis habiter ailleurs que chez moi, ça j'aimerais pas ça non plus. Ben, j'ai mes habitudes. Enfin, vous aimez, c'est le principal. Je sais pas si j'aime. Je crois que j'aime pas. Enfin, par moments, j'aime. Je dois me forcer à faire des trucs que j'aime pas parce qu'autrement, je ferais rien du tout, je crois. Moi, longtemps au même endroit, j'étouffe. Et vous écrivez sur quoi? C'est dur d'écrire sur quelque chose. Parfois, il vaut mieux pas. Mais c'est une histoire. Et on aimerait bien en trouver une. Pour moi, c'est pas l'important. Pour moi, si. Mais bon, on peut changer aussi. Ah, tu peux changer? Mais ça va raconter quoi? On sait pas encore. Si seulement on savait. Et ce sera qui les héros? Des corps vivants. Ah ben ça vaut mieux. Vous avez raison, ça vaut mieux. Bah oui, parce qu'avec des corps morts, ce serait pas gagué. Enfin, il y en a qui aiment. Hein. Oh, ça fait peur. Moi, je pourrais vous en raconter des histoires. Oui, oui. Non. On ne veut pas vous faire perdre votre temps. Il faut qu'on s'y remette. Mais je vais passer un petit coup. Mais Christiane, tout est propre. On ne peut pas salir si vite. Profitez-en, rentrez déjeuner. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je travaille, je suis payé. Je travaille pas, je suis pas payé. Mais non, mais on dira rien, bien sûr.
Vous comprenez pas. Mais Christiane, vous ne voulez pas rattraper la prochaine fois? Si ça vous arrange. Non, c'est pour vous. Et Christiane s'en va. Au revoir, Christiane. Bon déjeuner, Christiane. Merci pour tout, Christiane. J'ai rien fait. J'ai fait des lentilles et du kombucha. T'as fait macérer ton champignon? T'en as pas marre? C'est plus fort que moi. Tu l'as enregistré. Qui? Christiane. Oui. Tu l'as prévenue? Non. Si je m'en sers, je lui dirai. Dans les campagnes, elles ne sont ni noires ni maghrébines. Et alors? C'est moins bien, non? T'as peur de pas retenir ce qu'elle dit? Et moi, tu m'enregistres? Toi, mais pourquoi faire? Je vais marcher. Mais tu viens de courir. Et puis c'est fait, on mange. Il y a lentille et kombucha. Venez, on va marcher. Non, moi je ne veux plus sortir. Mets ma veste. Emporte ton kir. J'ai pas l'âge d'être votre mère, hein. J'ai les gâteaux apéro. Que des graisses saturées. Mais pour une fois. Mais non, non, même pas une fois. Oh mon Dieu. Il n'existe pas. Mais arrêtez d'être radical, surtout. Pourquoi on accepte qu'elle prenne de la place comme ça? Bah parce qu'elle va mourir avant nous. C'est même pas sûr. C'est vrai.